Cette LPS, on la savait entrer en dissidence, la voici désormais en rupture. Frédéric Lardet ne paie plus ses cotisations à La République En Marche, son parti, un signe de divorce à plus ou moins long terme. Entre LREM et sa députée, les relations se sont tendues il y a quelques semaines. D'abord mandaté par le parti pour construire un projet municipal à Annecy, Frédéric Lardet a ensuite été désavoué. Les instances parisiennes d'En Marche lui ont préféré Jean-Luc Rigaud, le maire sortant. Pas de quoi décourager la députée qui maintient sa candidature au municipal. Elle présentera son projet en fin de semaine. Rien qu'en Haute-Savoie, Frédéric Lardet est la deuxième parlementaire à prendre ses distances. En 2017, En Marche avait conquis 4 des 6 circonscriptions du département, ici en Mauve, un fief historique de la droite. Mais il y a quelques semaines, Marion Laine, députée du Chablais, annonçait déjà son congé du parti. En cause, un désaccord sur son fonctionnement interne. Officiellement, elle réfléchit toujours à son avenir au sein du groupe parlementaire et donc de la majorité. Frédéric Lardet, elle, n'a pas voulu en dire plus. Reste à savoir si le parti la sanctionnera ou pas.